Racontez-nous la course aujourd'hui, votre course. Bon, pour moi, ma course, ça s'est plutôt bien passé. Ça ressemble. Bon, un peu déçu quand même. Je suis le petit podium. J'avais coché cette étape, mais bon, il y avait plus fort que moi aujourd'hui. Hein. Il y avait des marches devant moi. C'était ma course. Mais c'est vrai que jusque-là, on ne vous avait pas encore trop vu dans le peloton et puis vous êtes sorti aujourd'hui. Je dis que c'est un peu fatigué quand même, mais mes jambes, ce n'est pas pour ça. J'étais un peu déçu l'étape de casse-pilote, parce que je n'ai pas vu la générale sur cette étape. Je bon, j'aurais bien fait pour mon équipe, pour ma team, pour tous mes coéquipiers, surtout les sponsors, tous les personnes de moi. Parce que ma team, c'est un budget pour la faire, je ne sais pas si vous êtes bien éliminés. C'est un peu déçu, comme je dis, bon, deux étapes. Nous avons encore parlé. Alors j'ai senti aussi que vous avez repris des forces quand vous êtes passé dans la commune du Beaumonde. Ah oui, ma commune, quand j'ai parlé de tout ça là, ça m'a donné des forces parce que j'étais à lâcher. C'est quand c'est dans ma commune, j'ai tout un truc entre les civils devant et puis avec d'attirer. Bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous retrouver sur animateur, comme vous l'êtes généralement. Sur les différentes compétitions, on espère vous retrouver déjà dès demain avec ce même punch que vous avez eu aujourd'hui. J'espère la semaine qui vient, parce que les jambes trouvent une fois la venue, j'ai des bonnes jambes, et j'espère remporter une étape pour la matinée.